Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play sur Horizon Zero Dawn. Alors dans le dernier épisode, nous avions atteint la couronne de la mer qui se trouve être le dernier village avant la frontière avec le pays Karja. Donc, la dernière fois, nous avions fait quelques quêtes, nous avions été sauvés de trois personnes dans la soif du démon, nous avions également fait le creuset Sigma, nous permettant de pirater plus de machines. On apprenait également qu'il fallait nettoyer la plaine des différentes zones corrompues, des différentes machines corrompues, afin de pouvoir accéder au rempart qui se trouve être une forteresse Karja qui garde la frontière. On est tombé sur une petite bourgade, le refuge des chasseurs, et on a trouvé un type qui nous demande d'aller sauver deux trois personnes qui se trouvent ici, enfin d'aller sauver, on doit juste leur livrer un truc. Alors comme c'est pas très loin de l'endroit où je dois rejoindre Varl et Sana pour la vengeance, je pense que je vais faire le petit crochet par là. Donc je vais aller sauver je vais aller faire cette quête là que je couperai au montage sans doute, mais ensuite j'irai sans doute faire la vengeance des Nord. D'œil du démon. Ce sera plus difficile que je le pensais. Tu te demandes jamais à quoi ça pouvait ressembler, à l'époque des anciens? Tu n'es pas comme les autres, Nora. On me le dit tout le temps. Chef Sona, nos hommes ont trouvé des camps ennemis dans les ruines, sur le chemin menant à l'anneau de métal. Alors on doit s'occuper de ces camps en premier. Pour qu'il ne sonne pas l'alerte. Très bien. On vide les camps, et nos ennemis dans l'anneau de métal ne verront rien venir. Je vais désactiver les alarmes. Envoyons des braves dans chaque camp, tapis dans l'ombre. Tu commenceras, ils finiront. Eh ben voilà, on va aller nettoyer les camps. J'ai eu peur pendant une seconde, j'ai cru que j'avais oublié d'enregistrer. Brave ! Le moment est venu de se battre, de massacrer et peut-être de mourir. Nous nous rejoindrons là, au pied de la plus grande tour. Puis, nous irons à l'anneau de métal pour nous venger. Aujourd'hui, nous brisons les tabous pour honorer nos morts, pour punir nos ennemis. Allez, elle pour elle, sans pourtant. Puisse la toute mère pardonner nos morts, et sinon, me tenir pour seul responsable, moi seul. Allez, au combat. Eh ben, elle s'est galvanisée, ses troupes, hein. Alors voyons voir où sont situés les camps. Ok, donc ils sont là, 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 ok. Bon alors, dans un premier temps, on va essayer d'observer où se trouvent les ennemis. Donc on en a un là. On va essayer de s'approcher discrètement pour le détruire. Comme ça. On va essayer quand même de faire preuve de discrétion. L'alarme du camp, il faut que j'arrive jusqu'à l'alarme. Mince! Faut se cacher.
Mince. Heureusement que j'ai dit qu'il faut être discret. Bon. Voilà. Chouette. Un truc rose. Mauve. Bon, le 2 est là-bas, à 120 pas, puis il y a 250 pas. Voyez un peu voir où on se situe. Et c'est beau, hein. Quand on voit le truc, c'est dingue. Alors... essayons de voir un peu où sont situés les potes. Ah, ils sont là. Là. L'alarme est là-bas. Et je ne vois pas de machine. Très dur. Je suis motivé par l'idée de... Bon, je vais essayer de repartir et d'entrer par un autre chemin parce que là ça va être difficile de le prendre par surprise sans se faire repérer. Ou alors il faudrait que je l'attire. On va essayer un autre truc. Boum! Et il y en a un autre qui est... Donc, c'est sympa cette technique. Maintenant, je pense que ça va pas être facile de tous les avoir comme ça. Je vais essayer de faire le tour. Je dois garder mes affaires au sec. Ah, il y a peut-être moyen. Oh. Je me suis complu dans la paresse. J'étais faible. Mais l'éclipse m'a rendu fort. Je vois ça. Encore un là-bas et il est tout seul, donc on va peut-être aller s'en débarrasser. Voilà, c'est stylé, hein, l'attaque silencieuse. Donc il y a juste ici. Il y en a un qui est là, un qui est... Ok. Donc vous croyez que je peux prendre le truc là, arriver là-bas, désactiver l'alarme et dégommer tout le monde? On va essayer. Allez, hein. Non, tu n'arriveras pas à rappeler des renforts. Elle est partie par là. Voilà. Voilà. Bon, le camp, il est où? Ah, il est là. Ah, il y a les potes qui sont juste là. Je dois me préparer.
Bon, essayons de repérer un peu. Donc on a l'alarme qui est là. Bon, elle est toute proche, hein, donc on va peut-être pouvoir se faufiler sans se faire repérer. Pour la désactiver. Ah, attends, peut-être que... C'était quoi ça? Peut-être moyen... Au moment où il se retourne, qui retourne à son emplacement. Bon, j'en avais marre d'attendre. On va essayer de se faufiler. Elle est juste là, l'alarme. Non, c'est trop risqué. Je crois qu'on a un intrus par là. Oh. Mince. Toujours pas vaincu. Voilà. Mince, oh. La gloire de la toute mère. Victoire. Victoire pour la toute mère. Ah. Bon, j'y serais pas arrivé. Pour la toute mère. C'est pas grave. Mais n'empêche, avoir tué du dessus, là, c'était stylé. Bon, allez, essayons de tourner autour du pot. Si je me souviens bien. Non, c'est pas par là. Voilà. Tant pis pour la prudence. Bonjour. Bonjour tout le monde. Les camps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent l'ennemi. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Attends, j'ai une autre idée. Leur base a une faiblesse. Je vais y aller seule et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien, à condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec gratitude de flèches impatientes de jaillir de l'arc. Oui, Varl, accompagne Aloy pour l'assister, mais... sois prudent. Oui, chef Sona, je le serai. Allez-y. Nous attendons votre signal. C'est vrai, mais comment sais-tu que cette base a une faiblesse? Patience, Varl. Tu comprendras bientôt.
Prends ma main. Seule une droite est pour toi. Je m'occupe de celui de gauche. Avant, je perdais mon temps à boire et à me battre. Maintenant, je sers l'autre. Luc 2. Prends celui de gauche. Là. Tu vois cet abri couvert? À l'œil, tu vois ces corrupteurs? Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées, toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je n'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour. Explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. M'approcher de la flambée et tirer dessus. Il y a mieux à faire.
vent porte l'odeur d'un nouveau jour. Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Mère, admire notre victoire. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Soyez prêts à quitter cet endroit.
Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées, comme le sont ces ruines. Nous arrivons au terme de l'épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire afin que je puisse m'améliorer. Je vous laisse avec la séquence post-générique. Encore merci et reposez-vous bien. À la semaine prochaine. Tu es une guerrière douée, Aloy. Rost t'a bien formée. Tu le connaissais ? Dans une autre vie. Et assez pour savoir que c'était un homme bon. Mais alors, pourquoi on l'a banni ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? J'aimerais pouvoir te le dire. Mais seuls les hautes matriarches connaissent toute cette histoire. Il paraît. Bon, il faut que je me mette en route. Pèlerinage apocalypse merdique, jour 5. Les essaims mornes jouaient avec Turtle Smash le jour de mon overdose. Enfin, selon le rapport de police, j'avais 15 ans. Quand je me suis réveillé 2 jours plus tard à l'hosto, j'ai d'abord vu ton visage. Pèlerinage apocalypse merdique, jour 6. Je sortais juste de réhab quand on a regardé les métallurgistes contre les voyageurs d'Arts. C'était drôle de te voir avec un maillot métallurgique par-dessus ton sarin.